Eh bien, coucou tout le monde, c'est Takoki, comment allez-vous? Moi ça va plutôt super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Non déjà c'est pas sur un jeu, parce que là déjà j'allais me fail totalement. C'est pas sur un jeu, c'est sur un petit quiz, c'est sur quiz.bizou. Lol, non, c'est .biz tout court, et on se retrouve sur le quiz The Legend of Zelda Breath of the Wild. Voilà. Breath of the Wild, le nouveau jeu de la licence Nintendo et de la nouvelle console Nintendo Switch. Et vu que tous les quiz, ta gueule loulou, vu que tous les quiz de Zelda ont été à peu près faits sur YouTube, et là j'ai vu que c'était un nouveau, 21 mars 2017, on va le faire. Voilà, c'est clair, on a compris, let's go. Alors déjà, première question, combien y a-t-il de prodiges? Alors, Link... Alors, si je me trompe pas, c'est... Alors, est-ce qu'on... Ah bah non. Non, 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 non. 5. Ouais, 5. Alors, comment se nomme ce mini-boss? Oh, damn, Daniel. Ce mini... Pourtant, c'est un mini-boss, hein. Comment se nomme... En français, s'il vous plaise. Ah, parce que il y a plusieurs... Grolem, je crois. Je suis pas sûr. Comment se nomme ce mini-boss en français? Galdeo, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Inox, je crois que c'est plutôt le mec en pierre, je crois. Je suis pas sûr. Combien de Koroku sont trouvables? 1000 Koroku sont trouvables. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que 2500, ça ferait trop. Oh, combien de dégâts l'épée purificatrice fait-elle? Alors ça, c'est une question piège. Mais je vais pas spoil, mais c'est 30. De toute manière, je l'ai dit dans ma vidéo, présentation Breath of the Wild, voilà, en fait, elle est ultra badass, c'est l'arme la plus puissante que vous trouvez. Si je me trompe pas. Combien de sanctuaires y a-t-il? Ah, très intéressant, il y en a 120. Après, est-ce qu'avec le DLC, à ce que j'ai écouté dire, il y aura sans doute d'autres parties de map à voir, donc... Est-ce qu'il y aura d'autres sanctuaires? Mais actuellement, oui, il y en a 120. Il y a 120... 120... Quel est le nom du roi? Oh putain, le roi d'Hyrule! Ouh là là! Alors c'est Roam. Je crois que c'est... Je crois que c'est ça, hein. Ouais, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Oh damn! Alors quel module permet... Polaris. Polaris, ouais, c'est... Un nom totalement bidon, mais alors, à quelle récompense la quête du la cachée du héros? Quelle est la récompense de la quête de la cachée du héros? Je crois que c'est 500 rubis, je suis pas sûr. Où se trouve l'épée purificatrice? Alors là, c'est un petit spoil, elle se trouve dans la forêt du temple du temps. Non, je déconne, la forêt de Kourougou, dans la forêt Kourougou. Alors, combien de linels différents? Y a-t-il de linels différents? Alors, moi, j'en ai vu... je crois que j'en dirais 5. Moi, j'en dirais 5, perso. Je suis en train de voir les linelles que j'ai vues. Mais de linelles différentes pour eux, c'est... Mais... Ah, 5, c'est peut-être beaucoup, hein. Moi, personnellement, ils se ressemblent tous, donc je dirais 3, en fin de compte. Je crois que je dirais 3, ouais, je dirais 3, ouais. Que faut-il pour débloquer? Oh putain, merde! Alors moi je dirais 3 ressorts antiques. Hein. Alors combien peut-on avoir de cœur? 20 je crois. Je crois que c'est 20. Combien peut-on avoir de jauge d'endurance? 3. Combien de cœurs maximum les jaunes peuvent... Waouh, là, 15, je crois, parce que 20, ça serait énorme. Ouais, 15, je crois que c'est 15, ouais. Quel est le niveau maximum des effets? Résistance, attaque, hein? Ah, oui, d'accord, ok, 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 d'accord, 3, je crois. Alors, combien de cœurs max les jaunes... Alors, combien de cœurs max vous donne la prière de Mipha? Un peu... Après avoir apaisé Varuta. Oh merde, putain, pourtant j'ai tellement l'habitude de l'utiliser ce sort.
Ah, 5, ouais, je dirais 5, ouais. Qui est-ce? Ça, c'est Marfa, je crois. Combien de PV ont les Inox? Moi, je dirais 1000, parce que c'est des gros FDP. Et les Inox noirs? 2500. Alors, les Inox rouges, c'est les moins résistants, donc du coup, je dirais, dans la logique des choses, je dirais 800, et là, 1250, parce que ils sont assez badass. Oh, merde! Que donne Terry après avoir apaisé la créature divine? Une enveloppe, une flèche de lumière, une flèche archéologique. Je crois que c'est une... comment one-shot ta gardien? Tuer en un coup, en tirant dans l'œil avec une flèche, en faisant une attaque circulaire, en lui renvoyant son laser. Ouais, non, je crois pas, non. Voilà. C'est impossible, enfin... Si je connais, en lui renvoyant son laser avec son bouclier, alors là, pète sa mère, hein. Je pense que ça sera... Ils seront pas assez chiants à tuer. Parce que, vraiment, dans le jeu... Je vais enlever mes lunettes parce qu'on voit le reflet, c'est assez désagréable. Il m'a fallu au moins 10 minutes pour voir ça, quand même, hein. Je pense que ça serait vachement simple, et je pense... pas qu'on peinerait autant à les tuer ces gens. Alors, avec quelle lance pouvons-nous ouvrir un sanctuaire proche du domaine Zora? Ah, ok, bah ça je sais pas. Ouais, lance de cérémonie, ouais, je pense, ouais. Quel. Attends. Lequel de ces animaux ne peut-on pas montrer et diriger? Ah, le quête de... Ah, putain, mais chevaucher au pire. Putain, ils sont déconnés. Faites pas compliqué, hein. Bah, la chèvre, parce que j'en ai pas vu, hein. Combien de rubis faut-il pour débloquer la dernière fée? Bah, tellement que c'est des bâtards, moi, je dirais 7500. Voilà les résultats. Attention. Veuillez répondre à la question 22. Quoi, j'ai... What the fuck? Oh non! Où se trouve la tunique d'escalade? Dans l'épreuve moyenne de force, dans l'épreuve... ouais, dans l'épreuve extrême de force. Je l'ai eu hier, donc... 12 sur 28! Ah, j'ai même pas la moyenne. J'ai même pas la moyenne. OMG. Ok, d'accord. Et il s'appelle comment? Grolem! Allez, niquez vos mères! Ouais, celle-là, j'ai eu bon. Ouais, 5 prodiges. Comment se nomme le mini-boss? Taldeo. Oh putain! Combien de Korogu sont trouvables? 900! Putain, sans prêt, sa mère! Ah, je suis pas prêt de le finir, j'en ai même pas 25, je crois. Combien de dégâts fait l'épée purificatrice? 30, mais quand il y a les mauvais esprits du fléau de Ganon le fléau, ça fait 60. Ce qui fait l'arme la plus puissante, comme je disais. 120, ok. Oh oui, j'ai eu raison, j'étais vraiment pas sûr pour celle-là, c'était un truc d'ouf. Ouais, ça aussi, c'était, j'ai eu raison. Les rubis, ah, 300 rubis, ah, c'est pas cher payé pour une quête que, sachant que la map, elle fait limite la taille de la France, lol. Donc, c'est pas cher payé pour ces conneries, hein. Où se trouve l'épée purificatrice dans la forêt Korogu? Putain, j'en étais sûr, hein. J'hésitais entre 4 et 3 après. Bah ouais, lunel rouge, bleu et blanc, et celui d'argent. J'étais à l'école, moi, ok? Moi, c'est parler France. Arrêtez de me chercher, ok? Arrêtez de vous battre, hein. Combien faut-il de... Ah, ok. 3 cœurs antiques. Ah, putain, c'est quand même cher, hein. En fait, les cœurs antiques, en fait, c'est les gardiens, en fait. On les récupère sur les gardiens qui sont défectueux, qui ne fonctionnent plus. Mais on récupère juste une vie antique, ce qui est à force pas rentable du tout. Mais en tuant des gardiens, eh ben, on récupère vachement plus de choses, et c'est vachement plus rentable, ce qui est tout à fait normal. Alors, combien peut-on avoir de cœurs? 30! What the fuck, man? Alors, combien t'as de cœurs par rangée? T'en as 10? 15, ou 12, 13, ou je sais pas. Hein. Alors, oui, la limite est à 27, mais on peut changer 3 réceptacles d'endurance contre... Ah, d'accord. Mais ça, tu vois, fallait le savoir. Mais si on a envie de faire le truc de base? Mais si on a envie de faire le truc de... Attends, combien... Parce que là... Attends. C'est vraiment des enflures, parce que là, pour une... Là, c'est une question... De base, j'ai eu tort. Je le reconnais. Mais combien peut-on avoir de cœurs? Ils disent ça, mais ils disent pas combien on peut avoir de cœurs maximum. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut rectifier. Parce que bon, 20, c'est dans tous les états, mais... enfin, je crois... Oui, la limite est à 27. Ils disent la limite, voire le maximum.
Donc du coup, échanger 3 réceptacles d'endurance. Donc du coup, ça nous fait 30. Mais donc du coup, si tu veux rester normalement, ça fait 27. Je suis désolé. C'est si tu veux faire tout normalement, en gros, faut savoir sacrifier de l'endurance pour des cœurs, mais si tu veux faire tout à 100% et tout être équitable, eh ben c'est à 27 cœurs et non à 30. Après moi je dis ça, je dis après chacun fait comme il veut, mais moi personnellement je ferai comme ça. Et combien on peut avoir de jauge d'endurance? 3. Voilà. Combien de cœurs maximum grâce à un plat? 25 cœurs! Ah ben putain, je l'ai pas encore fait celui-là. Hein. Putain. Quel est le niveau maximum d'effet? Résistance 3. Ouais, ça j'en étais sûr. Ah, elle donne 5 cœurs. Ah putain, bon sang. Oh, après, oh là là, je suis vraiment mauvais sur Breath of the Wild. Sur les autres questions encore, ça va, je suis sûr que j'y arriverai. Alors, combien de PV les Inox ont? Ah d'accord. Ah oui, d'accord, les... Oh, mais déjà 600, c'est énorme. Déjà 600, c'est énorme. C'est énorme. Et puis ouais, les Inox noirs, ouais, c'est... En fait, ils ont plusieurs couleurs, et sachant que où est-ce que on va dans les zones... Ils sont plus résistants, genre on retourne au début dans le tombeau du. Dans le sanctuaire de la Renaissance, les. Tu les one-shot les pélos, tu les one-shot. Ensuite, que donne Terry après avoir apaisé une créature divine? Ouais, bah ça je le savais. Une flèche de lumière, seule Zelda peut te la donner, donc voilà, une enveloppe, on s'en bat les couilles. Où trouver la tonique d'escalade? Ouais, dans les épreuves extrêmes de force. Wow, c'est sérieux ça? C'est pas possible. Non, non. On peut... Ah, mais attends. Ah oui, d'accord. En fait, il y a plusieurs possibilités, je crois. En lui renvoyant son laser avec son bouclier, en tirant dans l'œil avec une flèche archéonique. Archéonique. Oh, j'ai réussi à le bafouer. D'accord. Et bah écoute, écoutez, je vais essayer ça tout de suite après, parce que je suis vraiment très, très, très curieux là. Ouais, ça c'est la chèvre, je savais. Combien de rubis faut-il pour débloquer la dernière fée? 10 000, j'en étais sûr tellement que c'est des fils de pute. Narmol. Oh là là là. Combien de rubis? Hein? Ils ont deux fois la même question? Ou c'est un bug du quiz? Ah ouais, c'est un bug du quiz. Il y a trois fois la même question. Attends. Oh non! Ah mais non, mais il y a 28 questions! Ah, 26 questions! Bah attends. 26 questions. Ok, autant pour moi. Donc du coup, j'avais 14 réponses sur 20... Pourquoi ils avaient marqué 28? 26? Oh, je sais plus. Ouais, donc voilà, 14 réponses sur 26. C'est pas énorme, 46% de réussite. En tout cas, j'ai pas vraiment tout visité dans Zelda, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Mais il y a encore 2-3 petits trucs à régler, hein. Cœur maximum, combien de cœurs poto avoir, au maximum, hein, c'est... Bref, on va pas faire la mauvaise langue. En tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à en dire en commentaire si vous aimez. Et j'hésiterai pas à en faire d'autres quiz, genre sur Nintendo, sur quel personnage êtes-vous, sur dans Legend of Zelda, ce qui est très vrai, qui serait vraiment pas mal. Et ma page internet. Et moi, sur ce, je vous dis sayonara, portez-vous bien, et puis à la semaine prochaine, salut tout le monde!